Allez, les homophones, donc souvenez-vous, hein, on a déjà fait cet exercice plusieurs fois, les homophones, ce sont des mots que l'on va prononcer de la même façon, qu'on va écrire différemment, et donc qui auront eh bien, une signification différente. Et ben voilà, pour cet exercice-là, regardez comment pourriez-vous me traduire « the bread », allez-y. Alors, Omar nous rejoint. Bonjour Omar, comment ça va? Alors effectivement, hein, puis Kim qui nous met une petite illustration, merci beaucoup Kim, effectivement c'est le pain, on l'écrit P-A-I-N, le pain. Et donc nous allons chercher un homophone, et l'homophone bien sûr, c'est un mot qui doit se prononcer de la même façon, mais s'écrire différemment. S'il vous plaît, comment pourriez-vous me traduire « the pine tree » Allez-y. Et oui, hein. Donc c'est tout simplement le pain, P-I-N, d'accord? Et on va effectivement les prononcer, regardez, ben de la même façon, le pain, le premier, le pain, le deuxième, ce sont des homophones, mais bien sûr, vous les écrivez différemment, et donc ils ont une signification différente. Merci beaucoup, Cherylyn. Pour une illustration qui est très claire, simple et claire, ça va droit au but. Merci. Allez, on y va. Le passé composé avec les verbes qu'on a vus hier, les verbes en « ir » qui sont du troisième groupe. Et on attaque avec le premier, s'il vous plaît, le verbe « sortir », première personne, « je » au passé composé. Alors, Archa nous rejoint. Bonjour Archa. On n'oublie pas de cliquer sur le like. Et s'il vous plaît, donnez-moi le passé composé du verbe sortir à la première personne. Merci beaucoup. Alors, on regarde, et oui, effectivement, souvenez-vous que ici, hein, si on l'utilise dans une structure sans complément d'objet direct, on va utiliser être, hein, je suis sorti. Cherylyn, faites attention, hein, parce que je suis sorti, mais s'il y a un complément d'objet direct, c'est j'ai sorti la poubelle. Une activité que Nicolas ne fait jamais. C'est toujours à moi de sortir la poubelle, et ça n'est pas juste. Donc ici, je suis sorti. Comme on utilise être, et bien finalement, on va marquer le féminin si c'est nécessaire. Donc, je suis sorti I au masculin, IE au féminin. Mais encore une fois, faites attention, le verbe sortir fait partie des verbes qui, si vous avez un complément d'objet direct, va utiliser avoir et non pas être, et ça c'est important. Numéro 2. Allez, s'il vous plaît, le verbe servir au passé composé, on y va.
Allez, ici, effectivement, donc c'est avec avoir. Donc tu as, et puis finalement, le participe passé, c'est servi. Tu as servi. Troisième, s'il vous plaît, le verbe partir, passé composé. Elle. Alors, Julia, non, c'est pas le passif, hein, c'est juste de la conjugaison basique, là. Voilà, donc du passé composé actif, hein, elle est partie, donc c'est effectivement avec être, et puis donc on doit marquer ici le féminin, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'ai mis entre parenthèses, parce que il doit être là. Ça n'est même pas une option. Notre sujet, c'est elle. Donc, il doit être là. Elle est partie. P-A-R-T-I-E. Allez, alors attendez. Hop, on continue. Numéro 4. Numéro 4, le verbe dormir. Et nous savons maintenant que c'est un verbe que les girafes n'utilisent presque jamais. Dormir, s'il vous plaît, nous, passé composé. Alors effectivement, hein, comme dit Cosmina, nous avons dormi presque 2 heures, ou alors nous avons dormi 5 minutes, c'est possible, quand une girafe nous parle. Effectivement, dormir, hein, c'est avec avoir, et le participe passé, c'est dormi, nous avons dormi. Et on finit avec le cinquième, le verbe courir, s'il vous plaît, passé composé « il ». Allez, on regarde ensemble, et donc c'est courir, hein. Courir, effectivement, c'est avec avoir, hein. Donc faites attention, parce que c'est vrai que quand on parle de verbe de déplacement, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que courir, c'est quand même un verbe de déplacement assez clair, mais c'est avec avoir. Donc faites attention, en général, il est préférable de les apprendre par cœur, puisque l'exemple contraire, ce serait le verbe rester. Rester qui exprime l'immobilité totale et pourtant qui est conjugué avec être. Je crois que Chériline avait donné la liste et je dis merci. Merci Chériline, c'est gentil. Ice Cube qui dit « Ils ont couru, mais pas moi aujourd'hui ». Eh bien, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, Ice Cubes. Vous pouvez, comme moi, courir et la vie sera plus belle. Voilà, donc nous n'aurons pas malheureusement les rébus, parce que je n'avais pas eu le temps de les faire. Je voulais les faire et les mettre avant la conjugaison, mais je n'ai pas eu le temps de les finir, parce que j'ai pris un café avec ma fille, et c'était bien sympathique. Donc, nous allons faire un petit peu de conjugaison. Ah, désolé, c'est moins créatif que les rébus, mais c'est comme ça. Attendez, je vais cliquer, et nous voici. Le verbe, c'est grandir. Grandir, eh bien, c'est un verbe du
deuxième groupe. Logiquement, ça ne devrait pas être problématique. Nous sommes d'accord que nous allons uniquement nous intéresser au verbe que vous, au temps que vous voyez en bleu. Présent de l'indicatif, futur simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur antérieur et le présent du conditionnel. D'accord ? J'espère que vous êtes prêts. Uniquement la première personne, nous sommes d'accord, je. Et on attaque avec le présent de l'indicatif, s'il vous plaît, je, pour le verbe grandir, allez-y. Et effectivement, effectivement, Cosmina a raison. Nous avons dépassé les 100 likes et je dis merci. Je dis merci où nous sommes arrivés, je ne vois pas exactement. Ah non, quelqu'un a retiré. Ah, quelqu'un joue avec nos nerfs. C'est terrible. Allez, on attaque la conjugaison. N'oubliez pas de cliquer, ça me fera plaisir. Merci. Alors effectivement, là, tout le monde a la bonne forme, on est d'accord, on va continuer rapidement, donc on n'explique pas, puisque c'est niveau intermédiaire, hein, donc logiquement ça devrait être bon. Futur simple, s'il vous plaît, première personne du verbe grandir. Alors, pour l'instant, tout est bien, effectivement. Un autre radical, ce sera l'infinitif, grandir, plus la terminaison AI, je grandirai, pas de problème. On continue avec le premier temps composé. Le premier temps composé, c'est le passé composé. Passé composé, première personne, s'il vous plaît. Alors, Cosmina est en première position, Chérilina Prey aussi aussi. Nous sommes d'accord ici que, effectivement, le passé composé de grandir, c'est avec l'auxiliaire avoir, j'ai, et ensuite le participe passé. Comme pour les verbes du deuxième groupe, c'est très simple, ce sera i, j'ai grandi. Donc il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Imparfait, s'il vous plaît, du verbe grandir, première personne. Alors, le trio de tête est là, Chérilyne en première position, Cosmina juste après, puis Yossi qui est là, Victoria Posse qui est toujours très efficace, Ice Cubes qui modifie un petit peu quand même les règles grammaticales. Ice Cubes prend beaucoup de liberté parfois avec les formes, pas de A, Ice Cubes, grandi, d'accord ? Je grandissais, donc le radical c'est grandisse. Et après, vous mettez la terminaison A-I-S. Je grandissais. Allez, on continue avec le deuxième temps composé. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait, s'il vous plaît. Yeah.
Alors, c'est Yossi qui avait anticipé, hein, puisque c'est un homme très rapide. Après ça, nous voyons Cheryline. Cosmina est juste après. José est là aussi. Temps composé, ça veut dire que nous utilisons avoir. Avoir sera à l'imparfait. J'avais. Et puis, nous allons mettre, eh bien, notre participe passé, encore une fois, grandi. J'avais grandi. Nous continuons avec le troisième temps. Composé, c'est le futur antérieur. Alors, le futur antérieur, temps composé, donc nous allons utiliser avoir, nous allons utiliser avoir au futur simple, j'aurai haï. Et notre participe passé, grandi, j'aurai grandi, c'est notre futur antérieur. Et puis on va terminer avec le conditionnel présent, allez-y. Alors, jusqu'à maintenant, tout est parfait. Je dis bravo à tout le monde. Je grandirai avec un S à la fin. C'est fondamental puisque c'est la terminaison du conditionnel présent pour la première personne. A-I-S. Je grandirai. Eh bien, je dis bravo. Faites attention. Faites attention, les personnes qui ont oublié le S, hein, mettez le S, c'est très très important. C'est la seule distinction entre le futur simple, je grandirai à I, et le conditionnel présent, je grandirai à IS. Donc vous verrez ça quand vous écrivez. Salle de bain. On continue aujourd'hui, on aura du vocabulaire si vous voulez bien. Nous commençons avec la première chose. Comment pourriez-vous traduire The Shower Gel en français ? Allez-y. Et oui, on attaque avec les choses qui sont des choses très pratiques, très très pratiques. Et oui, c'est le gel douche. Souvenez-vous que gel, c'est masculin ici, le gel douche. Hein, donc c'est effectivement ce que vous allez probablement utiliser si vous voulez prendre une douche. Deuxième mot, s'il vous plaît, comment pourriez-vous traduire en français « the shampoo » ? Allez-y. Alors, je vois que Johanna nous rejoint. Bonjour Johanna, Mercurialman aussi. Bonjour, bonjour, comment ça va? Et Cassandra aussi. Comment ça va Cassandra? Bonjour.
Alors, regardons ensemble. Effectivement, deux orthographes qui sont possibles hein, pour le shampoing. En général, c'est plutôt la deuxième version avec juste un O. Mais les deux sont acceptés et sont possibles. Les deux sont prononcés exactement de la même façon et c'est shampoing. Alors c'est très très mystérieux pour la prononciation parce que vous voyez qu'on écrit avec un G final. Le G final est totalement muet. La prononciation sera shampoing. Ouin, 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 shampoing. C'est nasal, on est d'accord, ça va dans le nez. Shampoing. Point. Et donc c'est masculin, le shampoing. Allez, on continue avec le numéro 3, allez-y. Oh, alors this one, celui-ci, the toothbrush. Comment est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, traduire the toothbrush en français? Allez-y. Alors, regardons ensemble. La première chose qui est importante, c'est que le mot brosse, c'est effectivement féminin. La brosse. Deuxième chose qui est importante, eh bien, il y a plusieurs dents. Donc, logiquement, dents doit être au pluriel. La brosse, préposition à... Et votre nom, dent avec un S. La brosse à dents, effectivement. Allez, si on continue avec le numéro 4, the toothpaste. Comment est-ce que vous pourriez traduire the toothpaste en français? Allez-y. Alors, je regarde. Oui, effectivement, c'est très très bien. Dentifrice, c'est le mot que nous cherchions. Vous l'écrivez D-E-N-T-I-F-R-I-C-E et c'est masculin. Le dentifrice. Le dentifrice, effectivement, c'est la traduction de toothpaste. Allez, on finit avec le numéro 5. Oh, ça, c'est facile. Normalement, c'est facile. Comment traduire the perfume en français ? Allez-y. Alors, je regarde, dans la plupart des cas, c'est bien. Faites très attention pour la prononciation. Pour la prononciation, il y a une chose qui est fondamentale. U-M, à la fin de votre mot, c'est une nasale. Ça veut dire que ça va dans le nez. On ne prononce pas de M. C'est une nasale et c'est
un. Et donc le mot c'est parfum. D'accord ? Masculin, hein, ça c'est pour votre information. Le parfum. Il n'y a absolument pas de M à la fin de ce mot, de la prononciation de ce mot. Le parfum. Voilà. Merci beaucoup. Allez, let's go for les pronoms. Les pronoms, and it might be the last exercise that we'll do today. We'll see. Les pronoms. So the verb will be accepté. Accepté is constructed with COD, complément d'objet direct. Accepté is to accept in English. And obviously, I would like you to put the present form, but because I am a bit tricky from time to time, I want you to put the negative form, obviously. Let's go for the first one. She doesn't accept me. How could you translate that into French? But remember that the concept is obviously to put the pronouns. Alors, oui, très très bien. So the structure should be elle ne, and then after that you put the me accepte pas. But then, as usual, we saw this hiatus concept, so it means that e and a are close together. You will have to drop your e, put the apostrophe, elle ne m'accepte pas. Elle ne m'accepte pas, but let's agree on the fact that the pronoun that you should put is me. D'accord? Let's have a look at numéro 2. Numéro 2, she doesn't accept you. In that case, please, let's agree that this you should be in the singular form in French. D'accord, hein? So you got the concept, the logic, I mean, of course, the pronouns, one more time, they should come before the verb, so, and then the negative form should be before the pronoun and after the verb, so, elle ne te, but one more time, will have to drop, and then you put the apostrophe, t, accepte pas, elle ne t'accepte pas. Pas. Allez, we'll continue. Third one. She doesn't accept her. Go for it. Alors, in that situation, this her, in fact, in French, should be the pronoun la. So it should be elle. Ne la accepte pas. But one more time, N, A and A, they don't get along. So you will have to drop your A from the pronoun.
And then you put the apostrophe, so you end up with this L apostrophe. Elle ne l'accepte pas. But let's agree that it should be la, because we have, remember, for this pronounced complément d'objet direct, the difference between the feminine la and the masculine le. So elle ne l'accepte pas. D'accord? And so just to try to make it, in fact, quite logical, let's try to see now what it looks like for the masculine form. She doesn't accept him. Go for it. Merci. D'accord. Hein? So, even if the result is exactly the same, let's take the time 1 second to, in fact, understand that it should be written L, ne, le. Because as I told you, the masculine pronoun should be le. Accept pas. But we end up with the same problem as we has previously, as we had previously. So we have these two vowels together, and so we need to drop the E, put the apostrophe, so we end up with the exact same form as we had for the feminine, but remember that the pronoun should be LE. Elle ne le accepte pas. You drop the E, you put the apostrophe, elle ne l'accepte pas. Allez, let's have a look at numéro 5. And no, now we enter the plural form, so she doesn't accept us. How could you say that in French? Alors, I'm looking at what you're writing and it's quite good in fact. So let us recap quite fast. Remember, first person is me. Second person is te. Third person will be le or la. But then, if you need to change it like we did, you will do it. And then, first person of the plural, as you can see, will be nous. Elle ne nous accepte pas. Let's put a little liaison to make it nicer. Elle ne nous accepte pas. Elle ne nous accepte pas. Oh, yes, sorry. Sorry, Olga, it's in red. I'm sorry. It's because it's an old exercise that I wanted to finish. I'm sorry, it was before. Alice, let's go for she doesn't accept you, and in that case it should be the plural form. Alors, oui, so in that case, it was nous for the first person of the plural. For the second person of the plural, it will be vous. Elle ne vous accepte pas. So one more time. Elle ne m'accepte pas, first one. Elle ne t'accepte pas. Elle ne l'accepte pas. And it goes for the le and la. Elle ne nous accepte pas. Elle ne vous accepte pas. And let's finish with the last one. She doesn't accept them.
Allez, et voilà, bien sûr, it's, elle ne les accepte pas. So, these are the pronouns, complément d'objet direct. Me, te, le, la, for the third person of the singular. Then, nous, vous, and the last one will be les, elle ne les accepte pas. Alors, on va continuer un petit peu ce qu'on a démarré hier sur les verbes qu'on utilise le plus dans la langue française. Donc là, à ce niveau-là, on imagine que ça va être assez rapide. Donc on y va, on continue. Comment pourriez-vous me traduire ? Et bien sûr, j'attends l'infinitif, s'il vous plaît. La traduction de « to come back » ou de « to return » en français, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, Robert nous rejoint. Bonjour Robert, on n'oublie pas Robert de... de cliquer sur le like, merci. Alors effectivement, ici, hein, ce serait plus, et c'est ce que vous me proposez majoritairement, revenir. Hein. On est d'accord que revenir serait la meilleure traduction dans ce contexte-là. On pourrait imaginer que retourner pourrait être une possibilité. Revenir serait probablement la meilleure. Numéro 2, on y va. To play, comment est-ce que vous pourriez me le traduire, s'il vous plaît ? Alors, Moirhaus nous rejoint. Bonjour, bonjour. On n'oublie pas de cliquer sur le like. Merci. Alors là, c'est la même chose. Hein. On fait cet exercice assez rapidement, si c'est possible. Le verbe, c'est le verbe jouer. C'est un verbe régulier du premier groupe, effectivement. Et donc, ben voilà, pas de problème. Numéro 3, s'il vous plaît. To finish, to end. Comment pourriez-vous le traduire ? Allez-y. Alors, Robert nous dit « Je suis américain, j'habite à Washington ». Très bien, Robert. On prend le café, gloup gloup, et on fait les exercices avec tout le monde. Nous espérons que vous allez participer, bien sûr, Robert. Hein, il faut être proactif. Alors là, effectivement, verbe du deuxième groupe, finir, relativement facile. Relativement facile à conjuguer, je finis, tu finis, il finit, S-S-T. Nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. On continue avec le numéro 4. Numéro 4, to lose, to miss, comment pourriez-vous le traduire ? Alors effectivement, ici, to miss, ce serait plutôt perdre. Effectivement, nous, Johanna nous proposait rater, ce serait une possibilité. Mais là, dans les verbes qu'on utilise le plus, le verbe perdre est quand même plus utilisé que le verbe rater. Et puis on finit avec le numéro 5. Le numéro 5, to smell, to feel. J'attends votre verbe, s'il vous plaît. Bonjour Doracy, on n'oublie pas quand on arrive de...
de cliquer sur le like. Allez, effectivement, c'est le verbe sentir, hein, le verbe sentir que vous pouvez aussi utiliser la forme pronominale se sentir. Se sentir est un petit peu plus comme to feel. Je me sens mal, c'est je ne me sens pas bien. Ça, c'est effectivement plutôt le to feel plus que to smell. Allez, today we will work on les verbes les plus utilisés, so the most used verbs in French language. So it will be quite simple, I think, and it should be quite fast if we see that everybody can find everything quite fast. So let's start with the first one. Simple translation, we will cover as many verbs as we can. And we're talking about the most used verbs in the French language. And obviously the first one is to be. Give me please the infinitive. Allez-y. Alors, effectivement, pas de problème, être, don't forget that if you've got this accent circonflexe on your keyboard, well, you should put it on the first earth, so to be is être. Hein. So, same thing here, it will be extremely obvious, I mean, the verbs that we'll have at the beginning, but of course, number two is to have. How could you translate that in French? Allez, Doracy Lagares is joining us. Bienvenue. Don't forget to click on the like. Merci. Alors oui, it's the second helping verb because the first one is être, as we saw. This one is avoir, so you've been writing it properly, A-V-O-I-R. Pas de problème. Numéro 3, I'm pretty sure that you were expecting this one too. How can you translate to go? Allez-y. D'accord, pas de problème, hein? So we agree that this is aller, aller. Remember that it's quite useful because of course we use it as the to-go concept, but we also will use it, like in English for instance, to express this near future concept. So I am going to do something in French will be I go, and you put the second verb, je vais parler, etc. Allez, let's have a look at, so this is aller, A-L-L-E-R, hein, so everybody had it properly written, so it's good. Number 4, numéro 4, to do or to make. Can you please write that in French? Alors bonjour, bonjour, don't forget to click on the like. Hein? We'll try to reach the 100 today.
D'accord, pas de problème. Hein. So at this level, normally it should be good. And so far, it's going really perfectly. So félicitations, faire, F-A-I-R-E. This one is really, really useful because we use it a lot, really a lot. Allez, let's have a look at numéro 5. And numéro 5, to say, to tell. How could you say that in French? Allez-y. Allez, bonjour Mourad. Mourad nous rejoint. Mourad, on n'oublie pas de cliquer sur le like. And in that case, for this to say, to tell, remember that the verb would be mostly dire. Hein? So this is, well, when it comes to the most used verbs. So dire is coming before the other one that you were offering. But in that case, we were looking for dire. D'accord? Allez, merci. Allez, on va finir avec les contraires. Et les contraires, on est toujours, toujours, eh bien, dans les adjectifs obscur, obscur masculin ou obscur féminin. On les prononce de la même façon. Est-ce que vous pourriez me proposer, eh bien, le contraire de ces adjectifs? Allez-y. Alors, regardons ce que vous commencez à proposer. Qu'est-ce que j'avais proposé? Attendez, il y a une petite erreur chez moi. Une petite seconde. Ah bah oui, effectivement, ça n'est pas raisonnable, ça. Ça y est, bah, c'est normal, hein. C'est toujours normal d'avoir quelques petites erreurs dans les diapos. Alors clair et clair serait, bah, pour moi en tout cas, la première possibilité. Cosmina nous propose lumineux, lumineuse, ce serait tout à fait possible et c'est très contextuel. Là aussi, Johanna nous dit lumineux, lumineuse, oui. Je regarde les autres, alors Sophia, normal. Normal, normal. Ah ben là, c'est, tout est négociable. Mais après, ce serait plutôt anormal. Donc je ne suis pas sûr, Sophia. Je ne suis pas sûr. Éclatant, nous dit Johanna. Ça dépend aussi du contexte. Ce serait possible. Alors, Mojita qui nous dit qu'est-ce que c'est obscur. Eh bien, c'est le contraire de clair ou de lumineux. Rihanna qui dit bien connu. Ah, alors oui, Rihanna, oui. Alors quand on parle de la notoriété, oui, un artiste obscur et un artiste célèbre ou bien connu, oui, ça ce serait possible. Mais là encore, c'est très contextuel. Donc bon, tout est possible pour le moment. La seule petite limite, Sophia, non, pas normal, je n'accepte pas, désolé. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le contraire de propre. Alors, vous voyez ici que propre, eh bien, c'est la même forme pour le masculin ou pour le féminin. Est-ce que vous pourriez me donner le contraire de propre, s'il vous plaît?
Alors oui, très bien, effectivement. Hein. Donc une seule forme, c'est la même chose, masculin ou féminin. Et en général, on va utiliser sale. Faites attention, oui, alors il y en a un propre, bien sûr, mais c'est pas le premier qu'on va utiliser. Mais bien sûr, tout ça, c'est contextuel. Ça dépend de la situation. Cosmina maculée, oui. Ça me fait penser à la maculée conception, bien sûr, mais effectivement, je ne sais pas. Alors, ensuite, Sophia X qui va sur impropre. Alors, apparemment, c'est pas le premier, hein, malpropre non plus. Vraiment, concentrez-vous sur sale. Sale, ça va être en général celui qu'on va utiliser, qui sera le contraire de propre. Et le verbe qui est salir, hein, S-A-L-I-R, ou se salir. Si je fais quelque chose et que ça va être sale, eh bien je dis je me salis. Donc c'est plutôt l'adjectif sale et le verbe salir ou se salir. Allez, on continue avec le numéro 3. Numéro 3, semblable. Masculin, féminin, c'est la même forme. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme contraire ? Alors, je regarde, là encore, hein, ça n'est pas vraiment nécessaire de chercher des choses très, très, très compliquées. Si nous pouvons faire simple, faisons simple. Et en général, eh bien, le contraire direct, ça va être tout simplement l'adjectif différent. Différent au masculin, ENT, le féminin avec le E, et ce sera différente. D'accord ? Donc différent masculin, différente féminin. Cosmina qui dit contraire. Oui, ça pourrait être aussi, tout ça c'est contextuel, ça pourrait être effectivement justement le contraire de semblable. Et là on commence à avoir des phrases qui sont très très mystérieuses. Allez, numéro 4. Ça logiquement, ça devrait être probablement simple. Riche, s'il vous plaît, donnez-moi le contraire de riche. Alors, je regarde. Ouais, c'est bien, effectivement. Hein. On est d'accord ici que là, c'est pareil. Eh bien, ce sera pauvre. Pauvre, c'est en général l'adjectif qu'on va utiliser. Et c'est la même chose, c'est-à-dire une seule forme pour le masculin ou le féminin. Donc, pauvre, P-A-U-V-R-E. Pour l'instant, vous l'avez assez bien écrit. Il n'y a pas de problème. Et puis, pas d'autres propositions. Donc, très très bien, on y va avec le dernier. Le dernier c'est solide. Est-ce que vous pourriez chercher, eh bien, le contraire de solide? Quel est le contraire de solide? Allez-y. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé plutôt
un paquet ou quelque chose qui était solide, c'est-à-dire qui était résistant. Mais vous avez raison, Luciana, que liquide, Hilary liquide, Natacha liquide, oui, pourquoi pas, effectivement, solide, liquide, ce serait très très logique. Moi, je pensais plutôt solide, c'est-à-dire résistant, et donc j'aurais plutôt choisi fragile, c'est-à-dire que si vous avez un colis qui n'est pas solide, qui n'est pas résistant, eh bien, il sera fragile. Mais liquide, c'est pas mal finalement. Solide, liquide, ouais, eh ben oui, on doit l'accepter aussi, c'est pas mal. Alors, J. Vincent qui... perméable, ah, ça y est, on va dans les détails. Alors, on va dans les détails. Si vous voulez bien, nous allons nous limiter à liquide, solide, liquide, parce que c'est vrai que, eh bien, c'est la première chose qui vous vient en tête. Pas tout le monde, mais quand même beaucoup de personnes. Et puis, l'autre possibilité, solide comme synonyme de résistant et fragile. Cosmina nous disait cassant, cassante. Eh oui, ça pourrait être aussi une possibilité. Hein, quelque chose qui n'est pas solide, quelque chose qui peut se casser. Donc, cassant, je l'accepte. Fragile, je l'accepte. Liquide, et Cosmina, gazeux. Ah, oh bah oui, mais après tout est possible. Il n'y a plus de limite. C'est pas un exercice. On va rester des jours sur cet exercice-là. Bon, allez, merci beaucoup. Allez, on continue avec Nicolas. Que fait Nicolas ? Regardez, que fait Nicolas ? Mais cette fois-ci, je ne veux pas juste un verbe. Je veux une phrase complète, s'il vous plaît. Victoria, qu'est-ce qui se passe? Nicolas mange une crêpe. Pas sur l'image. Il mange des crêpes, mais pas sur l'image. Cosmina, Nicolas fait du surf. Ah, peut-être. Moi, je pensais à autre chose. S'amuser. Ouais, Hilary, on va faire une phrase. Vouslat, il fait du ski. Joseph, il fait du ski. Renato, il fait du ski. Ouais, faites attention, un ski. S-K-I. Julia, il fait du snowboard avec les lapins. Yesero, il fait du ski. Victoria, Jacques, Nicolas fait du ski. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Tout le monde est d'accord. Et Cheryline qui dit que, eh oui. Non, ici, il s'habille chaudement. Et je ne le laisserai pas sortir habillé comme ça en hiver. Non. Allez, deuxième, s'il vous plaît. Même chose, une phrase, s'il vous plaît. Donc, pas juste un verbe, une phrase complète. Allez-y. Alors, je vous rappelle que c'est un petit peu laborieux, mais il y a encore deux clics. Donc, deux clics sur like et nous arriverons à 100. Et après, nous pourrons respirer. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est maintenant ou jamais. Alors, je regarde Yesero. Il sort le carton rouge sur ses amis. Heavy 18, Nicolas est énervé car il n'a pas de réseau. C'est possible. Julia, il donne la carte... Ouais, c'est pas carte, c'est carton rouge. L'expression carton rouge, C-A-R-T-O-N. Carton rouge. Vouslat, il donne un carton rouge aux joueurs de foot. Victoria, Jacques, il prend un selfie. Oui, pourquoi pas? Mais il n'est pas joyeux. Hein. Il n'est pas joyeux sur le selfie.
C'est vrai, oui, c'est dommage. Cosmina Nicolas est un entrepreneur et montre le carton rouge à un de ses collègues qui n'a pas respecté les règles du jeu. Felipe Nicolas donne un carton rouge. Hillary, il lève sa main, pourquoi pas. Cassandra, carton rouge, vous êtes hors jeu. Tenzin, carton rouge pour CR7. Qu'est-ce que c'est CR7? Je ne sais pas. Victoria Posse, il est triste d'avoir le carton rouge dans le jeu. Eh oui. Roman, il a donné un carton rouge à un joueur à cause d'une faute. Très bien, Roman. Angel, Nicolas lui a montré le carton rouge pour un mauvais comportement. Très bien écrit. Denora, il est déprimé. C'est vrai qu'il n'a pas l'air joyeux, joyeux. Fatima, il est l'arbitre de football. Joseph, il montre un carton rouge au joueur qui a mal joué. Renato, Nicolas donne un carton rouge à son père s'il ne donne pas de crêpes. Ah, mais moi, je suis toujours, toujours prêt à faire des crêpes. Lynn, il est fâché contre quelque chose. Courage qui nous rejoint. Bonjour, Courage. TB, ils ne sont pas heureux avec le carton rouge. Eh ben oui. Allez, on continue. Troisième image avec Nicolas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écrivez une phrase pour raconter ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme, Nicolas. Alors, Renato qui nous dit « Nicolas est un vainqueur !» Julia, il a gagné la liberté. Vouslat, il a gagné le concours. Mère Corialman, nous avons gagné la coupe. Denora, il a réalisé. Ouais, il faudrait continuer peut-être avec quelque chose. Joseph, il a gagné une compétition. Heavy 18, Nicolas arrive à ne pas tenir la coupe car la coupe est si lourde. C'est vrai qu'il va peut-être tomber. Le pauvre petit lapin. Benter, Nicolas a gagné la compétition. Hillary et Nicolas a gagné et il frime. C'est possible, nananananer, comme ça. Yann Arte, il a gagné une coupe. Riena, il a gagné un prix, très bien. Tenzin, la Ligue des Champions, apportée par Paris Saint-Germain. Victoria, il est très heureux, il a gagné. Il a été le gagnant, pardon. Roman, il a remporté la Champions League avec son équipe. Oh là là. Et puis Cosmina, Nicolas a bien appris toute l'année scolaire et les résultats ne tardent pas à venir. Ah, on espère. Allez, on continue, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Voilà, c'est toujours le plaisir, c'est le petit plaisir personnel d'arriver à 100 likes. Merci beaucoup, c'est très, très
gentil. Alors, on regarde. Renato, Nicolas s'endort pendant sa leçon de français. Ça, c'est possible. M18, Nicolas dort en cours car il a trop joué à la PS5. Roman, il est fatigué parce qu'il a beaucoup lu. Ouais, faites attention. On va mettre le passé composé et donc participe passé lu. Joseph, il fait ses devoirs de mathématiques. Ah, c'est toujours sportif, les mathématiques. Et je ne suis pas le meilleur pour l'aider. Angel, Nicolas s'est endormi en classe parce que l'enseignant a commencé à raconter l'histoire de sa vie. C'est possible. Julia, peut-être qu'il veut que son père lui lise une histoire de Toto et pas les mathématiques. Oui, mais non, c'est trop tard. Maintenant, c'est les maths. Riena, il s'ennuie tellement à l'école qu'il s'est endormi. Hilary, Nicolas s'est endormi et son père doit le réveiller. Réveille-toi, s'il te plaît. Fatima, il est très fatigué. Victoria, Nicolas est épuisé par tant de tâches. Tenzin, il est fatigué après ne pas avoir trouvé la solution en mathématiques. Felipe, Nicolas n'est pas un fan des mathématiques et par conséquent, il dort durant les cours. Très très bien écrit. Denora, ça me rend fatigué. Alama, ah c'est déjà l'heure, youpi. Amira, il dort pendant qu'il étudie, il est fatigué. Cosmina, Nicolas a appris toute la nuit et pendant le week-end, mais maintenant il est content et se permet un peu de repos. Cassandra, Nicolas dormait dans sa classe et Vincent était en colère contre lui. Oh non! Le sommeil est très important. Yann Arthez, Nicolas dort quand il fait son cours. Victoria Jacques, il dort en classe car sa classe est en Zoom. Ça, c'est vrai qu'on peut on peut tricher dans ces cas-là, peut-être. Soukania, il s'endort dans la classe. Chériline, Nicolas a souffert d'hypothermie en skiant sans vêtements, et oui, approprié, et maintenant il est trop faible pour étudier. Mercurialman, bienvenue dans mon monde. Allez, c'est la dernière image avec Nicolas. Une petite phrase, s'il vous plaît. Allez, c'est Joseph qui commence, et oui, un grand classique, il mange un McDo. tout simplement, pourquoi écrire des phrases plus longues? C'est très bien, Joseph. Heavy 18, Nicolas a ramené de la bouffe en classe. Imaginez, ça serait pas mal. Victoria Posse, Nicolas est enfin heureux, finalement. Amira, il aime manger des frites et boire du coca. Anvi, Nicolas prend son déjeuner pendant son cours de français. Cosmina, le papa a bien cuisiné pour son fils, alors on bouffe. Mercurialman, j'ai réussi à éviter la nourriture de papa aujourd'hui. Sophia, il mange des frites. Ouais, avec un E après votre T. Sophia X, donc FRITES. Hilary, Nicolas ne veut pas partager sa nourriture. Patouche. Denora, finalement, je suis libre et peux manger. Mon berger, est-ce que... Bah, berger? Je ne suis pas sûr, Denora. Victoria Jacques, Nicolas mange un burger et Karine n'a pas de bœuf bourguignon. Une tragédie, ce bœuf bourguignon. Je ne veux plus y penser. C'est derrière moi. Vendredi, je fais un nouveau bœuf bourguignon. Julia, le kebab était toujours son meilleur ami. Yann, Nicolas est en train de manger McDo. Ouais, Roman, c'est le temps qu'il mange son repas. Renato, Nicolas mange un petit repas
que son père lui a donné. Très bien écrit. Angel, après une belle journée à l'école, Nicolas a décidé de manger hamburger et des frites. Felipe, ce snack est très savoureux. Très bien écrit. Ice Cubes, il mange un hamburger, mais on est sûr que ce garçon est Nicolas. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça.